Et bonjour à tous les amis, c'est Nelly Gaming. On se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Lovemanga sur Borderlands 3. Je sais que ça fait un moment parce que je n'ai pas joué, même si on est rendu à l'épisode 11 de Borderlands, d'après Lovemanga. Voilà, vraiment. Sanctuary, c'est parti. Un vaisseau spatial! Dans un vaisseau spatial. Yeah. On est rendu là où on s'avait laissé. Ouais, on s'avait laissé, les chers amis. Excuse-moi, j'étais un peu dans la lune. Là, oh non, mais pas grave. De toute façon, on s'avait laissé à l'épisode 11, comme on avait dit. Puis là, on vient de rattraper, l'histoire avec Nolly. Puis continue l'histoire, qui est quand même d'une bonne durée. En l'ayant fait, mais c'est quand même une bonne histoire déjà principale, sans compter les secondaires, les events et les DLC que j'ai fait. En plus, fait que ça ouais. A été un petit quelque chose. Bah pour moi oui, parce que faire la campagne plus les DLC là, c'est plus les events, c'est quelque chose. Ça vaut t'as des clés dorées, puis pour ça vaut t'as des codes chiffres, comme sur Borderlands 2. Puis le seul moyen d'avoir des codes chiffres, c'est soit Gearbox t'en donne, qui ont déjà fait, ou que tu essaies de trouver des codes chiffres sur les boss, que j'ai déjà fait avec Diablo, mais pour ça, ben ça. Puis maintenant, depuis la mise à jour, il y a eu les codes roses qui permettent d'avoir, je vais vous montrer les abonnés. Qui permet d'avoir un genre de season part qui s'appelle les trucs de main où tu peux débloquer des trucs, mais pour ça faut être des clés violettes qui te permet d'avoir soit des skins, soit des armes, soit des happy dance, genre des danses, des pendentifs, des têtes pour certains personnages, des tenues. Puis plein de trucs. Ah ouais, stylé ce terme là. Ouais, tu sais, ils sont tous malades. Non, parce qu'il y avait une arme qui mettait sur mon arme, puis c'était un skin d'arme. Puis ce skin là, il était plus style sanglant. Puis c'est stylé. Mais pour ça, tu gagnes des points de bonus. Des points. Salut! Ça va? Oui. Oui, oui. J'ai pu conduire un cyclone l'autre jour. J'ai pris un de ses pieds. Ça va super bien. Pendant ce temps, Nolly arrive en train de glisser comme ça. Ouais. Et où l'autre? Faut parler à qui, là? Ok, faut parler à. Désolé pour tout ça. Bah, à Lilith. Merci d'avoir ramené Ava en un seul morceau. Tout le monde est là. Oh, tout le monde est là, ouais. Tu parlais à tout le monde? Ah non, vous pourriez faire un discours? Oui. Bon, d'accord, je me dévoue. J'ai bien connu Maya de son vivant. Je la préférais vivante. Vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Mais elle est morte, et c'est la vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est se battre pour honorer sa mémoire du mieux qu'on pourra. Les guerres font des morts, par milliers. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Ne me demandez pas de parler à votre enterrement, Lilith. Oh, comptez sur moi, Tanis. Okay. Vous pouvez. Je sais ce que je suis. Une scientifique brillante et froide. Ouais, et brillante, ouais. Parce que tout le monde sur ce vaisseau attend que vous disiez quelque chose. Et tant que vous vous tairez, ils ne pourront pas reprendre leur travail pour empêcher ce débris flottant de dériver dans l'espace. Maya était plus qu'un pillard écarlate ou un chasseur de l'arche. C'était ma famille. Mmh. Mais on ne doit pas perdre de vue notre mission. On va ouvrir ces arches. C'est la seule façon de donner du sens à sa mort. Et maintenant, tout le monde à son poste. Ouais. Ouvrir ces arches? C'est tout ce que tu trouves à dire parce que tu voulais ouvrir les arches. On devrait être en train de traquer les calypsos. C'est normal, Nolly, je suis en claptrap parce que claptrap, il n'est pas texturisé. C'est simple. Maya disait toujours qu'un chasseur de l'arche court vers. Tu me vois-tu dans le clap-trap là? Elle arrêtait pas de parler de toi. Ouais, il est pas texturisé, tu peux aller dedans là. T'as bah moi je peux l'aller. Jack, t'es censé être le faucon hardi.
Je ne sais pas ce que je suis. Le beau jackpot. Mais va réfléchir, Lilith, avant que quelqu'un d'autre y laisse la peau. Elle est où? Va voir si elle va bien, d'accord? Ouais. Moi, je vais nous préparer à rejoindre Eden 6. Ah oui, Eden 6. C'est quoi le truc qui apparaît, là? Ok, faut parler à Lilith. Vous avez les compagnons bonus. Ah, c'est toi. J'ai pas grand chose à dire, tu sais. Tiens, j'arrive. C'est la guerre. Les gens meurent. Ouais, t'as raison. Mais ça veut pas dire que c'est facile. Écoute, Maya avait confiance en toi, hein? Continue à te battre, pour qu'elle soit fière. Merci. Rien t'obligeait à venir me parler, mais... je suis contente que tu l'aies fait. Tiens, c'était à elle. Je suis sûre qu'elle voudrait que ça te revienne. Il cadeau. Doit être en train de se préparer à rejoindre Eden 6. Tu devrais y aller. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule, là. Ok. Ça, c'est la chambre de Ava. Ouais. Non. C'est pas un DLC, ça. Bien. C'est des missions secondaires. C'est des missions qui sont pas principales, mais tu peux faire pareil. Non, les missions secondaires, faut pas t'y payer. Mais certains les DLC, faut t'y payer, pardon. Ah oui, ça c'est spécial. Plus. Y a rien ni personne qui compte pour des pourritures pareilles. Et c'est bien ça qui les rend extrêmement dangereux. Oh, t'es fou le zoom. D'après Tanis, voilà. L'arche de Prométhée était reliée à celle d'Eden 6. Ces monstres vont devoir nous passer sur le corps. Et heureusement, on a un ami sur la planète. Claptrap, mets-nous en contact avec Hammerlock. Oui, Claptrap. Sir Hammerlock, t'es où? Avec plaisir. Je parie qu'il sera ravi d'entendre toutes mes nouvelles aventures. Claptrap. Clap trap, t'es où? Ah ouais, tu as raison. Bon, les descendants de l'Arche sont déjà sur Eden 6. Toi, va retrouver Wainwright Jacobs et essaie de voir ce qui se passe là-bas. Ah oui, Wainwright Jacobs. Ah bah là, on va pouvoir rejoindre. Eden 6, Noli. C'est parti! Mon kiki. Non. Oh, sa planète en fait. Oui! Oui. Beyond the chase of my friend. Oui. Elle est vraiment morte. Ouais. Mais on n'a pas le temps de pleurer. Si on n'empêche pas les Calypso d'ouvrir une nouvelle arche, ils deviendront trop puissants pour qu'on. Non. Chaque problème en son temps. Il n'y a pas tort. Chaque problème en son temps. Ouais. C'est parti mon kiki, alors vous y... Là c'est... Ouais, là c'est pas Eden 6, c'est Flemobasson. Qui est un peu le... Ouais. Ouais, j'allais dire le Far West, mais Far West c'est plus un des DLC. Ça. Plus... mélange Far West, mélange... jungle, ben... pas jungle, mais... Ouais, un peu ça. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est Noli avec son arme stylée. Voilà. Chasseur de l'arche. Ah oui, Wainwright Jacob. Il m'a manqué, lui. Bah, pas que, il y a Claptrap aussi. Ouais, Claptrap. Ouais, Claptrap, c'est un drôle de personnage. Oui. Allez.
Quelle bande de fanatiques! La société Jacobs a survécu 300 ans, mais ces horribles DDA se sont répandus dans toute la galaxie comme un fléau. Et tout ça sous les ordres de ces rats vulgaires de Calypso. Ils ont assassiné mon père parce qu'il refusait de leur donner notre arche. Et maintenant, ils s'en prennent à moi. Non, pas par le nez. Parle. Aïe, allez, ah! C'est la ville de Reliance, ou ce qu'il en reste. On y trouve nos meilleurs armuriers, ainsi que nos exploitations forestières. Dieu merci, mon père n'est plus là pour l'avoir tombé entre les mains de ces bandits. Tiens, oui. Passe par le. Vous trouverez le chalet au sommet. On va repousser ces démons du mieux. Oh. J'ai pas peur, Frédéric. La grande arche appelle. Jacobs va saigner. Voilà, dans ce moment-là, pour monter. Fusil à pompe Jacobs, hors de question d'abandonner le contrôle d'Eden 6. Vas-y, ça me suit. Cherchez, bande de répugnants salopards. Tu t'arrêtes jamais, hein, pas vrai, là? Non, non, on s'arrête jamais. Parce qu'on n'a pas peur de toi. Les merdes. Ça, c'est un ascenseur, mais ils l'ont pris. Ouais, mais on va pouvoir le prendre plus tard. Content de vous voir. Je ne sais pas combien de temps on aurait encore pu repousser ces fanatiques. On va les repousser pour t'aider. N'est-ce pas, Nelly? Ouais. On va t'aider. Ah bah, déjà on se fait agresser dès le début. Presque. Je suis KO. Tu devrais pas faire ça. Mais ils sont où? Ok, ils sont où? Ok, c'est toi. Il doit avoir des ennemis. Ah oui. Ah voilà. Ça c'est mon bout préféré. Pew! 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 Wainwright Jacob. Ou Jacob. Chasseur de l'arche, vous m'avez sauvé la vie. Ah, je bah, vous suis reconnaissant. De on rien. Ouais, oh, ça me dérange pas qu'on parle. Avec Nelly. Je suis Wainwright Jacobs, mais j'ai bien peur qu'il ne me reste plus que ce nom. Ces démons m'ont pris tout le reste. Allez, entrez donc. Servez-vous dans mon arsenal. J'ai récupéré ce que je pouvais dans la collection de mon père. Mais ça lui servira plus. Ces horribles Calypso l'ont assassiné et m'ont tout pris. Ah, c'est pareil, c'est des vitraux texturisés. Je l'aurais suivi dans la tombe. Je m'en suis sorti, mais ils ont capturé mon partenaire de vie, Alistair Hammerlock. Ces démons ne le libéreront que si j'accepte de leur donner ah, oui, de l'arche. C'est aussi pour ça que vous êtes là, j'imagine. Ouais. Eh ouais. Cette arche est dans ma famille depuis des générations. Nous ne voulions pas voir notre paradis saccagé, comme ce qui est arrivé sur Prométhée et sur Pandore. La présence d'une arche entraîne toujours la guerre. Mais pour l'instant, j'ai des problèmes plus pressants que mon héritage familial. Alistair Hammerlock, l'amour de ma vie. Si jamais il le tue, j'aurais tout perdu. Si mon père était encore en vie, il me dirait d'aller à la rencontre de ces démons et de négocier du bout du canon d'un fusil Jacobs. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Cette secte a enfermé Alistair dans une prison appelée l'Enclume. Vous donnerez la clé de l'arche. D'accord ? Une évasion ? Ouais, pourquoi pas. Ok. Parfait. C'est bon. L'homme fort de l'équipe, le code Mastok, doit être en train de sécuriser un passage pour leur fuite. Il sera près de la porte de la prison. Trouvez-le et ramenez Alistair en vie. Mais ils sont vraiment. Ils parlent vraiment à Hammerlock de. Comme bonne amoureux, chance. Mais ça l'est vraiment dans ce point-là. Je ne m'en fais pas. Ils se marient ensemble. Okay. Ils sont vraiment amoureux pour vrai. Ça doit quoi dessus?
Voilà. Ou là peut-être soulever la phase explosée, Nelly. Voilà. Ouais. Ouais, bon, après j'ai peut-être oublié. Tu peux prendre le non non le jump. Le jump c'est non ben non pas le pas là. Derrière toi avec toi le viser, ok. Un genre de bouge là. Bah tu l'as un peu raté. Ouais. Ouais c'est lui. Là. YOLO. Ah, il y a un véhicule en haut. Putain, veux-tu que j'essaie de récupérer le véhicule? Ouais, vas-y toi. Ouais. Ouais. Essayez, là, tu m'en souviens plus comment on fait. À moins que t'aies pas la bonne... Je suis. Hein. C'est où juste? Ok, ouais. On va voir si celui-là. Il me dit celui-là. Hé, hey, t'as vu? Il est presque réussi, Nelly. J'ai juste été trop à gauche, à droite. Je l'ai eu. Ah, pour vrai? On va scanner cette merveille profilée dans le bon. Système autologue, chasseur de l'arche. Oh, shit, il est normal. Ouais. Pis ça, là, des véhicules comme ça, tu n'as partout dans la carte. Hein. Ben, dans les maps, je veux dire. Ça le débloque juste à toi? Non, vous t'avez sur le. Ah ouais. Dedans sur la route avec des ailes comme ça. Envole-toi, mon petit corbeau tranchant. Mais je pense que c'est juste pour ce véhicule-là, je pense. Oh, le... YOLO! Par là. Par là. J'ai une mauvaise sens, Denis. Ouais, j'ai remarqué. Aïe. Lui, tu me fonces dessus. J'ai pas eu le temps de freiner. Mais non plus, il y avait un Oli qui me fonçait dessus. Je pense que ça va se voir dans l'enregistrement parce que c'était marrant. Moi, c'est là, je me fais foncer dessus de nulle part. Puis moi, je débarque du véhicule pendant que je me fais catapulter par le véhicule de Oli. C'est ben trop mal, hein, pareil. Des trucs différents. Mais ça dépend. À la tienne, mon vieux. Ouais, bien sûr. Ah, oui, c'est vrai, il y a un typhon de Léon dans cette partie-là. Je sais plus. Il est quelque part. Je crois. Je me sais pas trop ce qu'on a. Ne répond toujours pas. Il a dû se passer quelque chose. Ouvrez cette porte, chasseur de l'arche. Ouais, il s'est passé quelque chose. C'est un petit microscope. Libra.
Salut. Si je voulais dire, je voulais savoir à qui je disais ça, c'est un ennemi. Ah. Ouais. Que les ennemis ils font des dégâts, je te dis pas le contraire, mais comme j'ai un bon bouclier, ils me font mal, mais ils me voient, ils vont pas me one shot en 2 secondes. YOLO, en haut. Faut t'active l'alternateur. Bah, le truc. L'alternateur. Ouais, ça c'est une voiture. Ah oui! Ouais. Lui est avec nous. Hein. C'est bon, ça va. Parce que c'est un personnage de Borderlands 2. Ah, génial! Un autre chasseur de l'arche. C'est mieux en mieux, ce boulot. Sauf dans un des DLC, le dernier DLC ils ont fait, il était méchant. Mais... Parce qu'il était possédé. Possédé par un démon. Oh non, par une arme. Ah ouais, Brick, défonce-le. Les cibles fraîches, bon, je vais le défoncer moi-même. Ouais. YOLO! Bande de bêtises. Il va changer de train. Ah, le pan, le pan des dégâts. Hein. Mais. Oui. Ouais, il est là. Hein. Ça va t'aider, toi. Arrête de tuer, réanime Noli. Il y a deux actions. Il y a l'action je réanime, puis l'action je tue des ennemis. Puis ici, il alterne entre les deux, ben ça marche pas. Ouais. Logiquement. Ok, t'es en train de. Hein? Ah ouais! T'es mort. Ah, il y a un bon point de vue ici. Rien à dire. Je vois tout. Ouais. En même temps, je peux te défendre. Ah oh, bah là. Dans les ennemis. Ah. Hop. Ah. Oh. Légendaire. Ah non. Ah, ça se vend bien. Aïe. Ils font mal. Bah même pour moi. Bah après c'est pas catastrophique. Hein. Il y a des spawns. Oh là, il fait mal. Voilà. C'est parti. Content de te voir. Ça a un peu dégénéré. J'attendais le signal de notre experte en démolition. Mais un truc a foiré. Sur ouais. La photo fanatique ou aux descendants, appelle-les comme tu veux. Moi, je m'en fous de leur nom.
temps que je peux leur cogner sur la tronche. Parfait, bien vas-y, mort. On va leur cogner dessus. Faut que je te fasse rejoindre notre démolisseuse, Ti. Bah pardon, j'oubliais les noms de code. Lapinou Déglingo a besoin d'aide. Suis-moi. Tu vas leur cogner. Si tu joues à Borderlands 2, tu leur cogneras. Je suis pas tant joué à Borderlands. Ah ben, c'est une petite fille qui est un peu psychopathe. Ah. Tu vas comprendre. Je sais plus si on va la voir tout de suite. On m'appelle le portier. Et ma stock aussi. Ouais, c'est on m'appelle plein de choses. Plein de choses. C'est par là. J'ai compris, Nelly, plein de choses. Ouais, je suis déjà en train de fouiller. Ouais, c'est vrai, c'est tout seul en paix. Attends, on va venir t'aider là, dans pas long. Je suis en train de récupérer de l'argent. On arrive, Nelly, on arrive. Là, ou presque. Je suis en train de crever encore. Ah, on était trop tard en fait. Pas aussi. Ouais. Ouais, il t'a attaqué pas mal. Attention. Bon. Maintenant, on va explorer un peu nos vies. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, on peut pas l'ouvrir parce que je suppose que ça va être plus tard. La porte où je parle. Ah, oh, y'a un coffre. Ah, oui. Ensuite, c'est tout ça. Là. Ensuite, YOLO bitches. Ok, j'ai de la merde en fait. On va être riche, Nelly, on va être riche. Bah, tu vas être riche. Ouais, riche, je vais 23. Ok, c'est par là, je suis passé tantôt. Et on fait quoi là? Toi, tu parles? Tu fais vraiment du super boulot! Hé, tu sais pas où je pourrais trouver une boisson protéinée dans le coin? Non. Un Murloc est libre. C'est vrai qu'il parle bizarre, mais il sait se battre. Crois-moi. Ok. Ah bah là. Tu vas voir le gameplay, Nolly qui est en train de se battre. Moi je suis en train de piller des coffres pendant genre... Nolly, es-tu correct? Ah non, je suis en train de presque de mourir, mais sinon ça va, tu sais. Après il est peut-être bugué aussi. C'est ça, je me demande. Merci à tous d'avoir regardé cette magnifique vidéo, c'était Nelly Gaming en compagnie de Loflinga sur Borderlands 3, la 11e épisode, si c'est bien ça. Ouais.
Présentement, on va se retrouver pour des prochaines vidéos à venir dans les prochaines semaines ou dans la prochaine journée. Ça veut dire peut-être demain ou demain après-midi. Je vais voir tout ça. C'était tout pour cette vidéo. C'était Nelly Gaming. Ciao, ciao. Coup, c'était tout pour cette vidéo. C'était Le Flingueur. Ciao, ciao. Et vive les jeux vidéo.